Il peaufine les derniers arrangements de la chaîne, mais bientôt, ces hommes seront interdits d'entrer dans les locaux de Maria TV, la nouvelle chaîne égyptienne entièrement dédiée aux femmes voilées. Derrière la caméra, une femme en niqab. Devant la caméra, Manal Abou Mansour, présentatrice vedette de Maria TV. Nous sommes des volontaires, comme à la mosquée. Le but, c'est de propager l'islam vers nos sœurs qui ne peuvent pas se déplacer à la mosquée. Nous venons à elles grâce à cette chaîne de télévision. Au programme religion, bien sûr, politique, mais aussi fait de société. Propriété d'un cheikh salafiste égyptien, Maria TV se revendique féministe, brisant le tabou du travail des femmes. Nous avons du mal à trouver des volontaires, car nos sœurs qui portent le niqab et qui ont de l'expérience dans les médias, elles sont aujourd'hui à la maison et elles ont arrêté de travailler. Elles croient que c'est ce que l'islam exige. Mais ce n'est pas vrai, rien dans la religion ne nous interdit de travailler. Mais le projet ne plaît pas à tout le monde en Égypte. L'arrivée de la nouvelle chaîne a déjà provoqué un tollé dans les milieux médiatiques et culturels, inquiets pour l'image de la femme, mais aussi pour la question des libertés individuelles.